Là, on va partir pour la bâtie. On va partir pour la bâtie. Je vais vous montrer la bâtie de ma tante, comment c'est. C'est vraiment cool, quoi, franchement. Oui. S'auto-filmer, c'est pas mal, hein. Franchement, ça rend bien. En fait, là, c'est l'une de mes nouvelles appareils, c'est la Canon 700D. Comment on appelle ça, le moniteur ou l'écran? Bon, bref, l'écran qui pivote là. Et ensuite, comme ça, je peux me voir dans le rendu, et tout. Il y a ça? Ouais, ça le fait, regarde. C'est stylé, hein? Ouais, comme ça, on peut discuter. J'ai un retour. Et c'est bien, je peux même faire le réglage au niveau du focus. C'est vraiment cool, quoi. Ouais. Ouais, ce que je disais, si vous cherchez la tranquillité, franchement, la Guyane, c'est parfait, c'est tranquille. À part si vous allez dans un ghetto où il y a plein de gars, ils sont armés et tout, c'est fou. C'est chaud, là, c'est chaud. Oh, franchement, je kiffe le rendu, hein. Ah ouais. Ah ouais, franchement, chapeau. Ouais. C'est maintenant que j'utilise la caméra, je l'avais pas utilisé comme ça. Je teste en même temps. Ouais, c'est bien. Oh, la qualité, nickel, man. Nickel, chrome. Hey, wabifu pour Felombia. Wabifu seka, wabifu begin seka, wa tout top Felom kwa douf de sama sacha model. Takuna IP. Et franchement, là. Le Nagoda ya soto, elle l'a mis au point mort. Ouais. Bon, en fait, désolé, parce qu'en fait, je regarde l'écran au lieu de regarder la caméra en elle-même. Donc, ça fait genre comme si je vous parle pas directement. Bon, ok. Ah oui, ce que je disais, oui, en fait, ma page SLM Lifestyle, je vais voir pour la développer. Donc, dans tous mes déplacements, je vais voir pour avoir ma petite caméra, pour pouvoir faire... merde, ça fait de la peine à dire, mais ce sont des vlogs, mon. Putain, comme avec les meufs, les vlogs, c'est fou. Merde. Bon, ok, ben, c'est ça même. Bon, ben, je vais... Vlog coco chez ma tante. Vlog coco chez ma tante, Itakembu. Voilà. Ouais, comme ça. Mais ouais, ce que je disais, je vais essayer de développer SLM Ghetto. Non, c'est pas SLM Ghetto Life, mais SLM Lifestyle, où je vais faire des vlogs et où vous pouvez me voir. La vidéo du Squeezie. Comment... Tu sais, on te filme et tu coupes les trucs, là. Ouais. Comme ça fait genre mec qui fait job, qui tryhard dans la vie. Hey, youtubeur indépendant. Non, mais Asso, c'est ça même, hein, loco, loco. Qui va te filmer? Tu le mets quelque part? Boy. T'as pas pris tes trépieds? Merde, j'ai pas pris les trépieds. Ouais. À la fachiwo, loco, fa ou sa douin, et bien. On vient d'arriver là. Bon, attends, j'essaye de descendre. Vous l'avez vu dans certaines autres apparences. Mais là, c'est le jardinier. Le jardinier. Le jardinier, non, mais moi je me dis, je prends un sabre et je pars. Et ouais, ça aurait été mieux, non? Oh, mais ce truc là part en couille dans mon. Matériel défectueux. Il y a pas une chaîne comme tes carreaux, il y a Daniel. Ça sera un aligne ou propre? Tu trouves que c'est mieux avec ça? Ouais, pour faire une ligne précise. Petit ou non? Quoi? Je peux couper. Alors Daniel, bon, vous voyez que je suis dans l'arbre. Hey, mais par contre, il n'avait remarqué ta qui? Ah bon, il y avait plus moi, il m'a dit qui se dit. Mais bon, c'est... un petit objectif, je pense pas que ça peut zoomer juste. Mais en tout cas, ça voit que c'est rose, en tout cas. On voit que c'est rose. Ouais. Je vais vous le prendre en photo et tout. Je risque ma vie là, je risque. Pour vous, les abonnés. Non,
putain, je me suis blessé là. Je me suis blessé. Parce que j'ai une taxe en ligne, je suis blessé. On avance. En gros, Gado Egui, punition, on avance. Mais un ding taki Gado Egui, punition, non, tout de suite. Un attaque qui punition, mais quoi, taki Mohan et Mitsi en avance pour ce que tu mérites. Ah bon? Mais c'est en avance. Avance, faut ça ni dimbi au dos. Ah bon? Non, mais Adenki, faut punir en avance. Foshi même, il doit Ogi. Putain, je suis crabé. Fishi Fab crabé, je suis tout noir, mon. Bon, ouais, je regarde encore le moniteur à côté, l'écran. Ouais, par contre, j'ai eu un peu de sous, c'est cool. Avec 40 euros, avec 40 euros, tu manges combien de temps, Daniel? Une semaine. Une semaine? Yes. Ouais, je pense qu'avec 40 euros, je pourrais tenir tu une semaine. Hein. Garde la partie, hein. Oh, non, franchement, mais regardez, il y a un youtubeur indépendant. Oh, c'est la vérité, c'est la dèche, man. C'est la dèche. C'est la dèche. Mais j'ai pu me faire 40 euros en coupant 2-3 trucs. C'est quand yes. Même. Yes, weekend. Ah, j'ai un truc coincé entre les dents, peut-être. Bon, et en plus, j'ai pu avoir des cocos et des trucs. Regardez, c'est cool. Coucou. Aïe.